Bien, bonjour à tous, on se retrouve pour le 32e épisode de Stardew Valley parce que pour une fois j'ai regardé avant de record où j'en étais. C'était pas beau les amis, hein, imaginez. Alors c'est parti, donc avant que je raconte trop de bêtises, il pleut toujours pas. J'en ai marre, mais moi je veux de la pluie bordel, on est en automne. Bon bah en tout cas moi j'ai prévu d'aller dans la mine, donc c'est ce que je vais faire les amis. Où est ma faux? Ah, d'accord, j'avais mis ici. Pourquoi pas? Ah, il y a dû y avoir une journée où je ne l'ai pas arrosé ce plan là. Alors c'est parti, donc on va mettre ça à vendre. Très clairement. Hop, hop, hop. Et voilà, comme ça on aura déjà ça de gold qui rentrera. Ah, ah, il n'y en a pas d'étoilé, donc on le met à vendre. Hop, voilà. La marrante, elle a l'air d'avoir bougé un peu. Ah, il faut une faux. Alors, qu'est-ce qu'elle veut exactement? Apporter à Marnie un bouquet d'amarante. Donc, qu'un seul. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser l'amarante là-dedans. On va en prendre qu'une. On va aller voir Marnie. Du coup, ça fait qu'on ira dans le deuxième jour de l'épisode dans la mine. Puisque bah là, on va devoir aller voir Marnie. Donc, on va perdre un petit peu de temps sur la journée. On va aller voir les poulettes. Hop. Coucou. Et poupou. Hop. Coucou, ma petite cocotte. Merci pour vos cocos. Non, je veux pas les manger. Faut que je transforme ça. Allez, à plus tard, mes belles. Non. J'ai dit non. Toutoulou, toulou, toulou, toulou. Allez, on va cuisiner ça. Donc, on en a trois. Allez, c'est parti, on va aller voir Marnie, comme ça on va aller lui amener le bouquet d'amarante. On va voir ce qu'on va avoir comme récompense. Hop. Mais j'aimerais vraiment avoir du fer pour améliorer notre arrosoir. Ça serait vraiment top. Ça serait tip top. Quoi, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de pluie, parce que quand même on est à l'automne quoi. L'automne c'est censé être plus pluvieux que les autres saisons, mais ici j'ai pas l'impression. Alors. J'aurais dû mettre le fertilisant d'eau là, le truc là. Ça aurait été cool. Mais j'ai zappé. Oh, la marrante que j'avais demandé. Merci mille fois, mes vaches vont adorer. Tu es déjà allée à cet étrange tour? Oui, Marnie, j'y suis déjà allée. Une fois, j'ai entendu un bruit terrible venir d'un autre monde. J'éviterai son endroit si j'étais toi. Elle me l'a déjà dit, ça, je me souviens, les amis. Eh bah écoutez, au niveau des quêtes, il faut descendre plus bas dans la mine et il faut la bière pour pomme. Donc ça, j'ai toujours pas capté comment on faisait. Pour le moment, donc écoutez, on va pas se pencher là-dessus tout de suite. Le truc, c'est que si j'arrose mes champs, je vais devoir utiliser pas mal de bouffe. C'est un peu tendax hein, quand même. Hein. Je vais toujours pas ramasser ça. Bon, écoutez, je vais commencer. Ah, attendez, non. Il faut que je mette mes graines. Non, à côté. Ouais, hop. Bon, la marrante, je vais pas la mettre à vendre. Je vais la garder. On sait jamais si on en a besoin un jour. Je préfère. Je préfère prévoir le coup. Donc ça, ça sera pour leur espèce de festival. Ça aussi. Je prendrai ça, ça. Le champignon, je préfère le garder pour ça. Ah, noisette, fruits sauvages, mûres. Ah oui, c'est les graines sauvages que j'ai mis qui sont là. Ouais, bof. Bon, allez, j'arrose tout ça et je vous retrouve après. On se retrouve, donc mon énergie est très basse. J'ai pas tout arrosé, donc vous savez quoi? On va aller ensemble au spa. Parce que tout simplement, j'ai pas envie d'utiliser mes œufs. Parce que je voudrais les garder pour quand on va aller au prochain jour à la mine. Parce que je voudrais vraiment qu'on trouve pas mal de fer, histoire de pouvoir améliorer déjà l'arrosoir en premier temps. Et ensuite, bah, le reste, hein, tout simplement.
Tac. Ok, attendez. Non, faut que je passe. La carte. La carte, s'il vous plaît. Allô. Le spa est là-haut. Donc, ouais, faut que je passe hop, à côté de chez madame. Ah oui, on va passer là, rapidement. Allez, hop. Ils ont peur, comme toujours. Ah, c'était du sirop d'érable qu'il me fallait. Ah! Foin et blé. C'est moi ou c'est jamais les mêmes quêtes? Non. Ah, il me fallait les deux. Ok, donc là, ça par contre, il me le faut là-bas. Allez, allez. Faut que je regarde pour la mayonnaise, les œufs, laine, et chèvre. Il y a tellement de trucs à faire dans le jeu, les amis, que... Waouh. Et c'était pas ici, donc c'est de l'autre côté. Hop, 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 hop. Coucou. Et voilà, on a fini notre quête. Plat automnal. Wow, les amis, mais c'est... Mais c'est ouf ce truc. Hop. Donc ça, pour le moment, j'en ai pas encore vu. Merci les jeux menaces. Mais la canneberge, du coup, je l'ai pas vue. La canneberge, l'autre truc là. Ah, mais j'en avais déjà mis une de grenade. Ok, donc je peux la vendre. Ça marche. Alors, c'est parti. Donc là, je veux aller au spa pour remonter mon énergie. Il est déjà 18h20. Non, mais au secours. Au secours. Allez, on va aller vite fait au spa. Comme ça, on va pouvoir finir d'arroser nos champs sans avoir à utiliser nos ressources en flotte. C'est là le spa. Ouais, c'est ça. Il y a Linus à côté. Salut! Alors, nous, on est une farm. Et voilà, on est en maillot de bain et c'est parti. On va aller remonter notre énergie. Allez, cocotte. Voilà, les amis. Oh, une bonne petite baignade. Ça fait du bien. En plus, il fait chaud le jour où je tourne, là. J'ai l'impression de mourir dans ma pièce. De toute façon, dès qu'il fait plus de 30 degrés, moi, c'est un foie. C'est même pas la peine. Avec le PC chauffe trop, les amis. C'est un carnage. Allez. On reste jusqu'à ce qu'il soit 20h. Et voilà. On n'a pas remonté toute l'énergie, mais il est 20h. Et le temps qu'on rentre à la maison, qu'on arrose les dernières plantations... de toute façon, on aura assez d'énergie, donc je pense qu'on dégommera quelques arbres. Comme ça, si on peut réussir à se faire quelques casse-croûtes en plus, ça peut être sympa bonheur. Hop, allez, c'est parti. Toulou, toulou, toulou. Toulou, toulou, toulou. Il est toujours là, lui. Why not? Allez. C'est trop long, les amis de marche. Non, par là, par là, par là, par là, par là, hello. Hello qui fait de la merdouille. Il est déjà 21h, hein, imaginez. Ah, Sébastien, on va pas perdre de temps pour lui parler. Parce qu'on n'a pas le time. Toulou, 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 toulou. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Non, mais c'est pas ça que je veux voir. Mais. Il y a une note. Bon, bon, ok, on peut pas lire la note. Il nous fait lire le calendrier ou lire la note où il y a point d'exclamation. Je comprends pas. Parce que le calendrier, il est un tout petit peu plus à droite. Hein. Donc, il est un peu chelou. Salut. J'arrive, mon chien.
Attends-moi! Alors qu'il n'en a rien à carrer, ma tête. Bah voilà! On est à la maison. Ah, on va mettre à vendre ça. Hop. Ça. Et ça également. Alors, c'est parti. Je vais arroser ce qui reste à arroser et je vous reprends après. Ah, voilà les copains. C'est bon. On est good. J'ai arrosé ce qui restait à arroser et on va aller dégommer quelques arbres. Voilà. Histoire de. Bah, d'utiliser notre énergie à bon escient. Du bois, on en a toujours besoin dans ce jeu. Allez, loup, c'est parti. Tu peux le faire. On a une pomme de pin. Moi, je dis que c'est good. Par contre, là. Ah, voilà. C'est drôlement sombre. J'avais pas l'impression que les nuits étaient aussi sombres de base. J'ai craqué ou. Je sais pas. Un peu chelou. Ah, on a deux glands. Pourquoi elle tape? Mais c'est what? Mais c'est what the fuck mais bordel de Dieu! Alors, des fois, je ne comprends rien, les amis. Hein. Je m'oriente, mais rien à faire. Oui, je sais, t'es fatigué, il est minuit, mais t'as encore un peu d'énergie, ce cocotte. Alors, hein. Tu feras un petit peu d'effort et tu m'embêteras pas. Voilà. La méchanceté incarnée. Allez, dernier arbre et après, tu vas être dodo, ma chérie. Sympathie. Je sais, normalement, il me faudrait la faux, ça serait mieux, mais écoutez, pour l'instant, je l'ai pas sous la main. Du coup, on va partir des casse-croûtes. On va avoir de l'énergie, c'est cool! Oui, tu vas aller faire dodo, hein? Patiente 30 secondes. On range tout ça. Ça, j'ai. Ça, je mets là. Ça, je mets là. Ça, je mets là. Et on va faire dodo et on fera les casse-croûtes en se réveillant. Allez, c'est parti, tu vas faire dodo. Oh, il est tout mignon, mon petit chien. Voilà, c'est parti, on fait dodo. Ah! Un tonnelet. Machine à huile, accélérateur de luxe. Ça sert à quoi un tonnelet? Alors, avant de partir, on va regarder à quoi sert un tonnelet, les amis. Machine à huile. Mettez-y un fruit ou un légume pour en faire un breuvage. D'accord. Ok. Bon, on essayera. La forge, je l'ai faite. Fromage. Mayonnaise. Ah oui, c'est ça qu'il faut que je regarde. Il nous en faut une pour les quêtes. Marnie. What? Bonjour, Madame Hello. Je viens te demander un petit service. Comme tu es si bon voisin, voilà, j'essaie de dresser mes chèvres pour leur faire dire salut, mais elles n'écoutent pas tant que je ne leur donne pas leur repas. Préférez les carottes souterraines. Donc, comme j'ai peur d'entrer dans la mine, je me suis dit, eh bien, que tu pourrais m'en apporter une quand tu en auras l'occasion. C'est pas pressé, mais si tu peux passer me voir entre 9h et 17h avec une carotte souterraine, tu feras très plaisir à une vieille femme. Ciao. Bah ciao Marnie, mais je veux bien, mais. Ah bah en fait on avait blindé de citrouilles les amis. Salut voisin. Quand je ne m'occupe pas de mes animaux, j'aime faire des petites expériences à la cuisine. Comme on est devenus amis, j'aimerais partager quelques recettes avec toi. J'espère que tu aimeras Marnie. Nouvelle recette tarte à la rhubarbe. Ok. Alors, il flotte, ce qui est plutôt bon du coup. Du coup, on doit aller à la mine. Alors, ça c'est good. Alors, du coup, on met ça là. On va à la mine. Écoutez, c'est parti. Et on fera tout ce qui reste à la ferme en rentrant. Alors, c'est parti. Donc, il faut qu'on ait une carotte. Il faut en trouver une dans les coffres de la mine. Donc, c'est pas gagné, les amis. J'aimerais pouvoir répondre à la requête de Marnie, mais ça va être chaud.
C'est pas comme si j'avais une influence pour en avoir, vous voyez. Alors, est-ce que cette fois on va réussir à lire la note? Que dalle. Ah! Un chasseur de slime pour tuer 6 slimes bleus dans les profondeurs gelées de la mine. Eh ben, j'accepte. Parce que je vais à la mine en plus, ça tombe bien. Alors, on est go, les amis. Donc, on a pas mal de bouffe sur nous. On va passer vite fait au centre communal pour les citrouilles. Hop. Alors, l'igname, j'en ai mis à pousser, donc il va falloir attendre. Et c'est bien ce que je me disais. Ah là, hop, on progresse, les amis. On croirait pas, mais ça progresse. Donc tout ça, on le mettra avant, donc quand on rentrera à la maison. Parce que je ne savais pas les quantités. Du coup, ça fait qu'on a pas mal de zones de champs de libre. Ça aurait été bien d'avoir des graines. Attendez, on va passer chez Pierre vite fait. Comme ça, on va prendre des graines de blé pour remplacer les citrouilles en rentrant. Je perds du temps pour la mine, mais je préfère ça. Ah ouais, mais il est cuit. Ah, il est cuit. Bon, allez, on va aller voir à la plage, pardon. Il n'y a rien. Ah, un coquillage. Va falloir faire une pelle lourde. J'appelle ça un coquillage, mais c'est pas grave. Alors. Toc, 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 toc. Ah, il y a des trucs, il y a des trucs, il y a des trucs. Bah, l'oursin, il m'en faut un pour la quête des Juminos, donc on va le garder. Bon, écoutez, hop. On a récupéré que ça, donc on va mettre tout ça de côté. On va aller vendre des citrouilles à Pierre. Il est 9h. Et après, direction la mine, les amis. C'est parti. On va essayer de tuer les 6 slimes pour la quête qu'ils nous ont donnée là. Histoire de voir si ça passe. Allez, vite, 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 vite. Ça passe vite le temps. Alors j'aime bien parce qu'il est fermé le mercredi, mais le dimanche il est ouvert. C'est... Je trouve ça assez drôle. Ta boutique elle est pas ouverte? Ah si, c'est bon. On va prendre une trentaine. Ah, ça a rapporté pas mal. Allez, 40. On est fous les gens. Hop. Au revoir Pierre. Moi c'est parti, je vais à la mine. Il est déjà 10h. Vite, cours Forest. Vous avez fini par me prendre pour une dingue, hein. Et vous aurez raison. Hop. Allez cocotte. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Dépêche-toi. Allez, hello. Allez, 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 allez. Ah, c'est parti. On va tuer 6 slimes gelés. Et on va essayer de descendre au niveau 45. Si on peut faire plus, on fera plus. Mais déjà niveau 45, ça serait déjà bien. Hop. Alors, est-ce que c'est ça les slimes gelés? Allez! Meurs! Bah allez! Mais ils ont combien d'HP ces trucs? C'est ça, c'est bien ça les slimes gelés. Donc c'est bon, on sait ce que c'est. Allez, où l'entrée? Bonjour, je voudrais. Ça se sous ce gros caillou? Ça paraît très bizarre. Ouais, non, pas récupérer de la caillasse. Bah alors? Ah la vache! Et... Bah elle est où la sortie? Je vais aller au niveau 42, s'il vous plaît! Waouh.
Du fer! Ah, il y a un bestiau. Ah, c'est une chauve-souris! Eh bien, petite saleté! Alors, c'est parti. Oh, la dernière fois, c'était la guerre quand on est venu ici. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. C'est un peu bizarre, non? Le calme avant la tempête, c'est... Vous croyez? Est-ce qu'il y aurait des coffres pour avoir une... Ah, ouais. Comme ça, on va peut-être pouvoir réussir à avoir une carotte pour Marnie. Ah, il y a des slimes. Ça tombe bien. On n'a pas de carottes. Non. Flûte. Bon, il y a des slimes. Allez. Allez. Ouais. C'est parti. Allez. En plus, il y a une chauve-souris qui arrive, bien évidemment. Alors, j'ai tué les deux, c'est bon. Alors maintenant, il faut que je trouve une sortie pour aller au niveau 43. Hop, allez, c'est parti. Alors, on trouve du cuivre, par contre, à foison. Par contre, j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de fer pour le moment. C'est un petit peu déconcertant. Oh, punaise. Je vais retourner en arrière pour casser des cailloux plus près de là-bas. Allez, je veux une sortie, moi. Ah, c'est parti. Attaque des chauves-souris, les amis. Ou trois. Est-ce qu'elles vont m'ouvrir une sortie quand je vais les tuer? Encore? C'est pas vrai, c'est quoi ce bazar? Encore trois? Quatre. Yes! Elles m'ont donné une sortie. C'est parti. Yes, on mange un casse-croûte. Ah, niveau 43. Là-bas, il y a un autre bestiau. On va essayer de passer à la guilde des aventuriers aussi avant de rentrer. On est au niveau 43. J'espère qu'on va trouver rapidement le niveau 44. Histoire qu'on puisse être sûr d'atteindre le niveau que je veux. Allez! On tue ce machin là, on a du charbon. Okay. Ah, nice, on a une sortie. Bon, avant, on va aller visiter les lieux. Je crois que c'est le cinquième qu'on tue. Il nous en faudra encore un pour faire la quête qu'ils veulent qu'on fasse. Allez! Ah, il me saoule lui, hein. On n'a pas de carottes. Et il n'y a pas l'air d'y avoir de fer. C'est un peu déconcertant. Allez, niveau 44, c'est parti. Parce qu'il va être déjà 18h. Bon, il y a encore des bignous à tuer. Allez! Jade, minéral. Ah, faut l'amener à Gunther, ça. Alors, ok, on a une sortie. Mais il faut que je vois s'il y a quelque chose à ramasser ici. Il y a du fer là-bas. Je suis obligée d'y aller. C'est ça aussi qu'il nous faut quand même. Hein. Il nous en faut du fer. Hein.
Alors là, il n'y en a plus. On a entendu un bruit de chauve-souris par contre avant, donc il faut faire gaffe. Là, il n'y a pas de fer. Et là-bas non plus. Donc on descend. Allez, encore un niveau et on pourra sortir de là. On l'a feinté. Est-ce que la sortie est quelque part? Allez, il est déjà 20h. Parce qu'en rentrant, j'aurais bien pouvoir planter mes trucs. Allez. Pas de sortie? Non. Faut encore tuer les vignoux pour pouvoir sortir? J'en ai un au cul. Allez! Bon, allez, c'est parti, faut qu'on avance. Allez, mourrez vous tous. Libérez-moi un chemin tant qu'on y est. Ah, je suis déjà au niveau. Je suis au niveau 45 là. En fait. Je vois mon énergie, ma santé baissante, si j'aime pas. Je préfère manger. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Est-ce que par là, il y a du fer? Eh, c'est compliqué d'avoir du fer hein, là-dedans. Il m'a toujours pas libéré de passage? Faut creuser. Oh, il est déjà 22h les amis. On sort de là. Ouais, on sort de la mine. Donc, normalement, il nous a retenu. Hein. On est au niveau 45 maintenant. Ouais, c'est bon. Hop, allez, c'est parti. On rentre à la maison. On va aller planter toutes nos graines. Et après, eh ben, on va faire dodo. Allez, c'est parti. Oh, je déteste quand il fait nuit et tout. On n'aura pas le petit truc à amener à Hunter, du coup, c'est plutôt cool. On verra si on aura une récompense bah, la prochaine fois. Hop. Allez, allez. Ouais, passer par là. Ah, par contre, du coup, parler à Lewis. Ah bon, on ira la prochaine fois. Hein. J'ai pas encore utilisé les trucs qu'on a eu en cadeau parce que je me dis que les mines risquent d'être beaucoup plus corsées après. Déjà là, on a des nouveaux monstres. Donc on n'a pas eu la carotte pour Marnie, c'est ça qui est dommage. Alors, il me faut ma... Ouf. Non, ça c'est pas ici. Ah, on a encore 5 fer. Ah, encore des trucs à amener à Gunter. Hop. Donc j'aimerais bien planter mes derniers blé, histoire d'être tranquille avec ça. Hop, on va planter ça là. Hop, voilà. Et voilà les amis, donc c'est plutôt pas mal pour cet épisode je pense. Donc ça, on va le mettre à vendre. Ça, il faut qu'on le garde pour les quêtes des Juminos. Du coup maintenant, il y avait quelque chose que j'avais pas vu. Hop.
Donc, la prochaine fois, eh ben, on ira voir Gunther avec tout ce qu'on a eu de nouveau. On ira voir aussi notre petit copain Clint. Et ça, je le mets là-dedans. Voilà, donc c'est parti, on va aller dormir. Je suis pas allée voir les poules aujourd'hui. Si, 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 j'y suis allée. C'est bon. Allez, c'est parti. Voilà, on va pouvoir faire des dodos. Ah! Plat de racines. Ah! On a atteint le niveau 3 en combat, les amis. Bon, on s'est fait pas mal d'oseille. Donc la prochaine fois, on va voir si avec les deux de fer, on aura assez pour améliorer notre arrosoir. Voilà. Wow! On est plutôt bien. Il faudra qu'on aille voir les Whis pour la quête qu'on aurait réussi, là. Bon bah voilà, on s'arrête là pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à donner vos retours dans les commentaires. Portez-vous bien. Je vous fais des bisous et à la prochaine. Bye bye à tous.